Ben alors Baby Chou, donc on fait de la garde d'enfants à domicile. Donc on agit sur des gardes régulières, des gardes ponctuelles, des gardes à temps plein, même pour des nourrissons de moins de 3 ans, un petit peu tout type de garde, en sachant que le cœur de notre activité, c'est vraiment les sorties d'école. Les sorties d'école, de crèche, donc de 4h à 19h, 20h pour les parents qui ont besoin. Sur Dijon, on va avoir à peu près une centaine de postes à pourvoir pour la rentrée. Donc voilà, parce qu'on a une expansion, un développement un peu de l'entreprise. On est installé depuis un an ici. Donc on se développe bien. Et là, cette année, ça va être une belle avancée encore. Donc on aura une centaine de postes à pourvoir. Sur le type de profil dont on a besoin donc de profils vraiment babysitters. La plupart d'entre elles sont étudiantes. On a également besoin de profils un petit peu plus âgés, plus professionnels, des profils qui ont des CAP petite enfance, des diplômes d'éducatrice de jeunes enfants et qui ont donc ça comme activité principale. Donc justement pour pouvoir fournir, pourvoir en tout cas au temps plein et au temps partiel avec les nourrissons et sur des volumes d'heures qui sont quand même plus importants. Donc on a un petit peu ces deux types de profils. Pour la plupart de nos contrats sont des CDI. Alors au niveau des profils et notamment du coup des compétences, on va chercher peut-être des profils qui soient dynamiques, qui soient impliqués, qui soient enthousiastes et volontaires vraiment dans le travail. Nous, notre idée, c'est pas de faire du gardiennage, c'est vraiment de faire de la garde d'enfants, donc avec tout ce que ça apporte d'animation, de présence, d'être avec les enfants et pas simplement d'être à côté ou de les laisser jouer dans leur chambre. Voilà, on cherche des profils qui soient vraiment dynamiques et impliqués dans ce sens-là. C'est simplement de venir comme elles sont. C'est-à-dire on cherche pas à changer les personnes, on cherche les personnes telles qu'elles sont. Voilà, les qualités que j'ai citées précédemment sont à trouver chez tout le monde. Mais après, les profils, les caractères sont différents et c'est ça aussi qui fait la beauté de notre travail et qui va permettre aussi notre adaptabilité face aux familles et aux diverses demandes qu'on va pouvoir avoir.